Yo tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super les amis. Aujourd'hui, je sais que là vous vous dites, mais est-ce bien lui? Il est de retour. Ouais, ça fait 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo, c'est de pire en pire. La dernière fois ça faisait 10 jours, une semaine, j'avais dit ouais j'abuse, je vais en refaire. Et là ça fait 2 semaines. Mais j'étais pris par d'autres trucs. Voilà, croyez pas, je suis pas youtubeur à plein temps hein. À partir du moment où mon revenu principal c'est Uber et c'est pas YouTube, je suis désolé. Je peux pas passer 35 heures par semaine sur YouTube, je suis désolé, essayez de le comprendre. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous sommes là et c'est tout ce qui compte. J'ai une commande au McDo. J'ai fait une commande juste avant de filmer. Je vais vous expliquer un peu le topo. Ouais, Deliveroo, ça marche ou pas? T'as essayé? J'ai pas encore fait Deliveroo, je suis à 0 commande. Mais c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. J'ai fait une commande au McDo, comme d'hab. J'ai activé l'appli Deliveroo parce que je sais que le McDo, il est dans ma zone de Deliveroo. Autant 95% des restos que j'y vais sont pas dans la zone Deliveroo, donc je peux pas l'activer. Autant le McDo, je peux. J'active et là, je vois quoi? Ça sonne, Deliveroo, une commande à l'autre bout du 77, c'était loin, à l'autre bout j'abuse, mais au moins 20 minutes de voiture. Bon, je ne l'ai pas accepté parce que du coup elle n'était pas du tout bénef, 5 euros alors que je dois mettre 20 minutes pour y aller, non, c'était dead dans le film. Et de toute façon, je me suis dit, dans tous les cas, j'ai pas ma GoPro, je vais pas faire ma première commande Deliveroo sans eux, c'est pas possible. Ils ont attendu que je sois pris, un autre livreur, il me dit bonjour. C'est pas pour faire la commande Deliveroo, la toute première de l'histoire, en fait, du coup... je suis retourné chez moi, j'ai pris ma GoPro. Là je vais vite fait faire ma commande McDo Uber Eats. Bon, j'ai récupéré la commande du McDo au même moment, comme par hasard, comme je vous l'ai dit. Il y a eu une commande Deliveroo qui a sonné. C'est pas à côté hein. Parce que là maintenant il va falloir essayer de gérer entre les deux plateformes. En vrai c'est faisable hein. Clairement c'est faisable parce que moi je suis pas non plus un gogol. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui prennent toutes qui prennent toutes les commandes, que ce soit Deliveroo, Stuart, Uber, ils prennent tout, mais du coup le dernier qui se fait livrer, bah, il attend de ouf. Moi je suis grave pas faire ça. Déjà si j'ai une double commande, je prends pas d'autres commandes, peu importe la plateforme. Et pareil, si c'est pas sur la route, je vais pas le prendre, je suis pas bête. Donc je le prends vraiment si c'est bénéf pour moi et qu'en plus ça pénalise pas le client forcément. Pause. Je crois que c'est la maison là, mais... Mais comment on rentre dans cette maison en fait? Ah, vraiment, cette ville, c'est vraiment des maisons comme dans Desperate Housewives. C'est les maisons, je crois, la maison elle coûte 1 million, c'est obligé. C'est vraiment les maisons de riches, quoi. Ah, c'est ce petit chemin que je dois prendre là. Numéro 2 au numéro 4, exactement. Ok, donc je livre Tiffen en 2-2. Oui. Allô, bonjour, c'est pour la commande Uber. Je crois que je suis devant chez vous, il me semble que c'est celle-là. Ok, j'arrive. A tout de suite, merci. A tout de suite. Bonjour. Je donne les 2 sacs. J'essaie de prendre bien par en dessous parce que si jamais il y a les boissons. Voilà. Allez, bah t'es à vous. Bonne journée, au revoir. Merci. Tac, ça c'est fait. C'est parti. On va aller livrer du Deliveroo. On va mettre sur Waze. Là, je découvre l'appli en même temps. Ok. Donc on peut choisir directement dans l'application au niveau de l'adresse, ça c'est bien. Quoi? Je mets 20 minutes? Attendez, là faut que je vous parle face caméra là. Donc là, je suis à 15 km du restaurant, à 20 minutes en voiture, Deliveroo. Entendez-moi bien, je suis en voiture et je suis à 15 minutes en voiture du restaurant. Imaginez si je suis en vélo, comment je fais pour récupérer cette commande? Comment? Je mets combien de temps? Je mets une heure pour y aller? 15 km, allez! Ça c'est que le restaurant, hein. Après il faut aller au client aussi. Donc bref, tout ça pour dire, si Deliveroo, Uber ou qui vous voulez, vous voyez ces vidéos là, voilà, soyez pas bête. Ok, vous me voyez en voiture, mais soyez pas bête, ok. Après si vous avez un problème, s'il faut la capacité de transport, je vous la sors. Hein. Là vous allez dire, ouais mais t'as pas le droit de livrer en voiture. Attention, peut-être que j'ai la capacité de transport, jugez pas sans savoir, demandez-la à moi, je vais vous la donner. Regardez l'état des routes, c'est la campagne, regardez, il y a des inondations. Même sur Waze, il y avait écrit inondation. Je suis passé, la route elle était mouillée. J'ai fait aquaplaning sur 5 mètres, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Où suis-je? Mais où suis-je? Deliveroo, vous livrez vraiment dans des endroits bizarres quand même. Reculez dans la campagne. Mais genre, ils ont des téléphones, les gens qui habitent ici. Genre, comment il faut pour commander Deliveroo? Il y a du réseau? Il y a internet?
Est-ce qu'il y a la fibre? Non, il n'y a pas la fibre. Ah, il y a une voiture, tiens. Première voiture que je vois depuis 20 minutes, c'est ouf. Ah, tiens, deuxième voiture là-bas. Incroyable. Non, vraiment, les gens ici, ils connaissent vraiment Deliveroo, genre. Choqué. Je suis choqué. Dinguerie, les gars, je vous jure, dinguerie. Je viens d'arriver, mon appli, elle pète les plombs, et je peux plus me connecter. Je peux plus me connecter à Deliveroo, incroyable. Alors que je viens de taper 25 minutes. Attendez, se fout de ma gueule. Non, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, les gars. Je vais éteindre mon téléphone et le remettre parce que là, il y a un problème de ouf. Là. Je tape 25 minutes de route, j'arrive. Mon téléphone, il se déconnecte de Deliveroo, je peux plus me connecter. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit quoi? Ils ont dit que je mets trop de temps, ils m'ont désactivé mon compte ou quoi? Ils me donnent des commandes à 30 km là. Là, j'éteins mon appli, je redémarre mon téléphone pour voir, mais c'est un truc de ouf ça. Wesh. Deliveroo, première commande, ça galère, vas-y. Grosse galère les amis, tout a pété. Uber, Deliveroo, en fait c'est internet tout court qui a pété. Là je suis en train de faire des Google, des tests. J'écris des trucs sur Google, il n'y a rien qui passe. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai remis. J'ai coupé, j'ai mis mode avion, j'ai enlevé internet, tout. J'ai tout fait, je crois que c'est Orange qui bug. Soit c'est Orange qui bug, moi je suis Orange, soit c'est le internet mondial, comme par hasard. Et là, je reçois des coups de téléphone, d'un numéro, là, ça doit être le client, il doit être en train de péter les plombs. Putain, il n'y a rien qui va, là, ça me fait péter les plombs, il n'y a rien qui va. Oh là là, la dinguerie, sérieux. C'est bon, c'est résolu, normalement, c'était juste Orange qui a bugué, donc Orange, ils m'ont bien, bref, vous avez compris. Là, je pense que la commande Deliveroo, je l'ai perdue, hein, clairement. Ça fait 20 minutes que j'essaye de résoudre le truc, ça fait... 30 minutes de trajet, donc ça fait plus d'une heure que j'ai reçu la commande, impossible de la livrer, donc bon, voilà, c'est pas incroyable, donc je pense que, ah non, j'ai même pas perdu, mais franchement, j'ai même plus envie de la prendre à cette heure-ci, j'ai même plus envie de la prendre, je vais même pas la prendre, en fait, j'ai pas envie de la prendre, pourquoi, parce que là, je sais pas si Orange, c'est encore stable, vu que ça vient juste de revenir, je préfère la laisser à quelqu'un d'autre, qui est sûr qu'il n'y a pas de problème avec son réseau, parce que moi, si je la prends, et que ça bug en plein milieu, la commande ou que je puisse pas valider ou quoi que ce soit, ça va être relou, donc je préfère l'annuler et je vais me connecter sur Uber pour voir si ça refonctionne ou pas aussi. Ah, j'ai une commande, mais n'importe quoi. Non. Nouveau message de Margot S. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça du retard, visage avec large sourire, okay. Les yeux rieurs et une goutte de sueur. Waouh, la dinguerie, allez hop. Je ne veux pas faire de livraison. Désolé Margot, c'est pas moi. Eh, c'est un ouf, il a dit visage qui rigole avec goutte de sueur sur le front, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bref, je me suis dédouané des deux commandes. Je sais même pas d'où elle sort cette commande, je sais même pas quand j'ai accepté ça, pourquoi j'ai ça. Donc bref, là j'ai aucune commande. Ah bah voilà, commande Uber, McDo, bah c'est quoi, je vais prendre ça je pense, hein. On va prendre ça en attendant, on prend ce qu'il y a, 4€, ça me fait mal. On voit qu'il n'y a pas le multiplicateur x2, ça me fait mal. Allez, c'est parti. Ça va, ça va, ouais? Non, merci. Et bon courage. Ouais. Petit récap parce que là ça va plus du tout. Mon internet qui bug de ouf. Genre le GPS il bug, tout bug, y'a rien qui va. Je pense qu'Orange ils ont des problèmes là, c'est pas normal. Franchement c'est insupportable. Au final j'ai fait 16€, je suis à 16€ sur Uber. Les 14h, hein. Je suis à 16€ sur Uber. Deliveroo du coup bah je l'ai pas faite la commande, j'ai toujours pas fait ma première commande. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires si quand vous avez des commandes refusées, est-ce que ça nous pénalise ou pas? Parce qu'au final, je crois que j'ai au moins 7 commandes refusées en fait. Parce que les premières, j'étais pas du tout prêt pour les prendre. J'étais juste connecté, mais pas prêt pour les prendre parce que j'étais à 1000 km et puis voilà. Et quand je vais les prendre, bah il y a des problèmes de connexion. Donc au final, je les annule parce que sinon, ça va pénaliser le client. Je vais me retrouver avec la commande sans savoir où aller, etc. Franchement, c'est le plus gros fail vidéo que j'ai jamais fait. Je vais quand même publier cette vidéo pour vous montrer que là, pour le coup, j'ai vraiment voulu en faire une, mais c'est pas de la mauvaise foi de ma part. Hein.
Et je vais vous faire une autre vidéo prochainement où cette fois vraiment on va essayer de faire les choses bien. Mais là, incroyable. Franchement, là en plus le truc c'est que vous allez me dire là, vas-y, bah fais maintenant, à partir de maintenant. Ça bug, internet il bug en fait. Et Orange il bug. Genre un coup ça marche, un coup ça marche plus. Depuis tout à l'heure je le vois, ça rend ouf. Et en plus là faut que j'aille faire une mission à Aubervilliers. Bref, en gros, aujourd'hui je vais pas bosser quoi. Voilà, j'ai le seum, on est vendredi. Ouais, j'ai le seum. Allez, portez-vous bien. Merci encore. Yes.